Bonsoir et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. C'est la saison estivale au Maroc, à travers tout le royaume. Les hôtels affichent complet l'exemple de la ville d'Agadir. Toujours plus de touristes, c'est ce qu'on retient des derniers chiffres du Conseil régional du tourisme de Sousse-Massadra. Ce dernier fait état d'une croissance de l'activité. Les arrivées ont progressé de 4% à fin juillet. La fréquentation des établissements classés n'est pas en reste. Elle a fortement augmenté. Et sans surprise, ce sont les Européens qui arrivent en tête des touristes polonais, britanniques et belges. Il y a aussi les Saoudiens. Alors que parmi les marchés en baisse, on retrouve le marché national. Les Marocains étaient moins nombreux à se rendre à Agadir pendant cette période, tout comme les Français et les Hollandais. Autre secteur qui se porte bien, les banques. Dans un rapport de Standard & Poor's, l'agence de notation distribue de bons points aux établissements financiers marocains. Selon elle, ils ont montré leur solidité face à un contexte géopolitique instable. C'est le cas également en Tunisie. Dans ce pays, les banques ont continué à dégager des profits et à financer des entreprises. Preuve à l'appui, la part des crédits bancaires délivrés au secteur privé est resté stable pour le Maroc et la Tunisie. Il se situe autour de 70%. Et on reste au Maghreb. Alstom s'apprête à remporter un nouveau contrat dans la région. Le groupe français devrait bientôt fournir 17 autorails diesel à la Société algérienne des transports ferroviaires. C'est ce qu'affirme un site algérien d'actualité. Le montant de ce contrat s'élèverait à 200 millions d'euros. Aucune annonce officielle n'a été faite, mais le directeur de la société algérienne a déjà parlé d'une attribution provisoire d'un contrat Alstom. Toujours selon le site d'information, les nouveaux équipements assureront les trajets de longue distance entre Alger et les principales villes du pays. Direction l'Hexagone, François Hollande donne le ton de la rentrée politique dans un entretien au journal Le Monde. Le président français annonce une série de mesures. Les principales à retenir, des mesures fiscales en faveur des foyers les plus modestes, des professions réglementées, l'ouverture des magasins le dimanche. François Hollande entend par là accélérer les réformes et faire taire la critique. Il faut dire que sa popularité est toujours très basse. Un pays dans la tourmente, l'Ukraine. Le pays fait face depuis des mois à un conflit armé à l'Est, une situation qui fragilise à son tour l'économie ukrainienne. Première conséquence, la baisse de la valeur de la monnaie du pays. La devise continue de se déprécier. Elle est tombée à son plus bas niveau historique face au dollar. Les taux de change de la hryvnia sont tombés à 17,65 pour un euro, alors que le billet vert s'est changé ce mercredi à 13,22 hryvnia. Les mesures prises par la Banque centrale ukrainienne n'ont rien réglé. La situation ne cesse d'empirer. Le pays est en récession quasi ininterrompue depuis 2 ans. Son PIB a chuté de 2,3% au deuxième trimestre de l'année en cours. Et on reste en Europe pour parler du marché de change. L'euro perd du terrain face au billet vert. Ce matin, la monnaie unique valait 1,33 $ et ce pour la première fois depuis 11 mois. Une chute de 3% par rapport à son niveau du 1er juillet. C'est loin d'être une surprise. Les analystes l'avaient prédit. C'est la conséquence de la divergence économique et celle des politiques monétaires entre les États-Unis et la zone euro. En revanche, l'euro monte face à la devise nippone, une montée de 0,1% à 137,3 yens. Et justement, au Japon, le secteur du commerce extérieur n'est pas du tout en forme. Il est toujours dans le rouge. En juillet dernier, le pays a subi son 25e mois de déficit commercial consécutif. Ce déséquilibre s'est établi à 964 milliards de yens. C'est l'équivalent de 7 milliards d'euros. Ceci dit, on note un léger rebond des exportations de 3,9% alors que les importations ont augmenté moins vite, ce qui laisse espérer une amélioration dans les mois à venir et sonne pour le gouvernement et la Banque du Japon comme une bonne nouvelle.
Voici par contre une mauvaise nouvelle pour les amateurs de Nutella. La plus célèbre des pâtes à tartiner pourrait bientôt devenir une denrée de luxe. En cause, une pénurie de noisettes frappe la Turquie. Le pays est le premier producteur mondial de cet ingrédient de base du Nutella. Il en produit plus de 70% des récoltes mondiales. La météo serait à l'origine de la pénurie. Plus des deux tiers des fleurs de noisetier ont été touchées par la grêle. On parle d'un déficit de 260 000 tonnes, ce qui a entraîné une flambée des prix des noisettes. Ils ont augmenté de 60% depuis le début de l'année. Voilà pour l'actualité économique. Notre édition se termine ici. Très bonne soirée à tous sur notre antenne.